Goedemiddag, dames en heren, en welkom op de Lydian-series Het Nieuwe Bewijsrecht en Verzekeringen, waarvan het eerste webinar van vandaag gewijd is aan het bewijs van schadegevallen en aansprakelijkheid. Ik heb de eer om dat te presenteren samen met mijn collega Jonathan van der Stichelen, maar alvorens dat te gaan doen, wil ik eerst met u een aantal praktische punten graag overlopen. Eerst en vooral kunnen jullie de presentatie downloaden aan de rechterkant van het scherm, onder de optie Handouts. Ten tweede gaan wij tijdens het webinar twee polvragen aan het publiek stellen. Om een geldig deelnemingscertificaat van ons te bekomen, moeten jullie deze beide polvragen beantwoorden. Na het einde van het webinar ontvangen jullie een certificaat van GoToWebinar. Mensen die polvragen hebben beantwoord, zullen een extra geldig certificaat van Lydian ontvangen. Omwille van de grote aantal deelnemers voor dit webinar vandaag, kunnen vragen enkel gesteld worden via de chatfunctie en zullen zij na het webinar door Lydian beantwoord worden via e-mail. Wat gaan wij vandaag overlopen met u? We hebben eigenlijk twee grote thema's gereserveerd. Het eerste thema is het bewijs van rechtsfeiten of handelingen in het licht van het nieuwe bewijsrecht. Wat is er daar veranderd? Zijn er nieuwe bewijsmiddelen? Zijn er andere wijzigingen die van belang zijn voor de regeling van schadegevallen? Dat zal gebracht worden door mijn collega Jonathan van der Stichelen in het Nederlands. Vervolgens ga ik verder met het bewijs van technische aansprakelijkheid, eigenlijk een beetje inzoomend vanuit de praktijk op de verschillende vormen van expertises, eenzijdig, tegensprekelijk, minnelijk, gerechtelijk, en hun verschil met enerzijds de bindende derde beslissing en anderzijds de arbitrage. Daarna zal ik nog een aantal slotbeschouwingen formuleren. Mijn uiteenzetting zal in het Frans verlopen. Ik geef nu graag het woord aan mijn collega Jonathan van der Stichelen. Alvast dankjewel Hugo voor deze inleiding. Ook welkom aan iedereen vanwege mijzelf. Waarom geven we eigenlijk dit webinar en wat is het nut er nu eigenlijk van? Stel nu de situatie waarbij er een verzekeringspolis is afgesloten. Het kan een BA-polis zijn, een brandpolis, een all-risk-polis, noem maar op. Er is een schadegeval gebeurd dat onder de polis valt. De verzekerde leidt schade of de verzekerde veroorzaakt schade, thans beweerde. Indien er dekking is, zal de verzekeraar de leiding van het schil overnemen. De verzekeraar zal dan het bewijs moeten leveren dat er al dan niet een schadeval is gebeurd, dat de verzekerde hiervoor niet aansprakelijk is, dan wel of een derde hiervoor aansprakelijk is. Dus het bewijs van een schadeval en van aansprakelijkheid, maar natuurlijk, afhankelijk van de concrete elementen van de zaak, zal het ene dan wel het andere moeten worden bewezen. Een voorbeeldsituatie is waarbij er een onderneming is die een ventilatieinstallatie heeft geplaatst bij de verzekerde. Er breekt brand uit en men denkt dat deze brand is ontstaan in die geplaatste ventilatieinstallatie. Men zal dan de leverancier, of bijvoorbeeld de producent, aansprakelijk dienen te stellen en men zal het bewijs dienen te leveren dat er een defect is in de installatie of dat er een verkeerde plaatsing is. In het context van een dergelijk schadeval zou het bijvoorbeeld ook kunnen gaan over een bewijs dat onderhoud niet of niet correct is, heeft plaatsgevonden, of dat bepaalde informatie niet of niet correct is aangeleverd. Het is logisch dat in deze context het bewijsrecht een uitermate belangrijke rol zal spelen. En dit is eigenlijk de context waar we ons binnen bevinden in dit webinar. Er is een polis, er is een schadegeval, en er moet bewijs worden geleverd van het schadegeval en van aansprakelijkheid of natuurlijk niet aansprakelijkheid. Dit brengt ons al bij het eerste grote deel, het bewijs van rechtsfeiten of rechtshandeling. In de context van schadegevallen zal voornamelijk het bewijs van de oorzaak van de omvang van de schade van belang zijn. Dit zal voornamelijk het bewijs zijn van rechtsfeiten. Dit webinar is dus ook voornamelijk gefocust op rechtsfeiten. Rechtsfeiten dienen onderscheiden te worden van rechtshandelingen. Dat zijn eerder feiten of handelingen die een juridisch gevolg met zich meebrengen. Het klassieke voorbeeld van een rechtshandeling is het sluiten van een overeenkomst. In het tweede webinar op 23 maart zal het bewijs van rechtshandelingen meer aan bod komen en meer bepaald het bewijs van het sluiten van een verzekeringspolis.
Een van de grote basisprincipes in ons recht, in het Belgisch bewijsrecht, ligt vervat in artikel 870 van het rechtswetboek. Dit artikel bepaalt dat elkeen die beweert dat een bepaald feit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden, of elkeen die beweert dat zij recht heeft op iets, dat zij dit dient te bewijzen. Degene die iets aanvoert, moet dus, met andere woorden, het bewijs daarvan leveren. In uitzonderlijke gevallen zal er ook een omkering van bewijslast zijn. Een omkering van bewijslast houdt eigenlijk in dat de andere partij dan degene die iets aanvoert, het bewijs zal moeten leveren. Dat zal dan het bewijs zijn dat de partij die iets aanvoert ongelijk heeft, terwijl men op basis van de basisprincipes normaal zijn eigen gelijk moet bewijzen. Een voorbeeld van de omkering van bewijslast is als men het slachtoffer is geworden van discriminatie. Dit, zoals gezegd, zijn het uitzonderlijke omstandigheden. Ook een negatief feit moet worden bewezen. Een negatief feit is eigenlijk een feit dat niet heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld dat bepaalde informatie niet is aangeleverd of dat een onderhoud niet heeft plaatsgevonden. Indien men het bewijs wil leveren dat een feit of rechtshandeling niet heeft plaatsgevonden, dan wordt deze bewijslast minder strikt beoordeeld dan bij een positief feit. Bij een positief feit volstaat dat bewijs wordt geleverd met een redelijke mate van zekerheid. Hier komen we later in het webinar plan op terug. Maar dus bij een negatief feit aanvaardt de rechtspraak en rechtsleer dat het voldoende is dat het bewijs wordt geleverd dat het negatief feit waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. Dus dat het bewijs wordt geleverd dat de informatie waarschijnlijk niet is aangeleverd of dat het onderhoud waarschijnlijk niet heeft plaatsgevonden. Wat betreft omkering van bewijslast en negatief feit komen we hier zoals gezegd later nog terug. Hoe ziet ons bewijsrecht er nu eigenlijk uit? Het uitgangspunt is het van het vrij bewijsrecht. Dit houdt ten eerste in dat alle soorten bewijsmiddelen zijn toegelaten. Dit natuurlijk met uitzondering van onrechtmatig verkregen bewijs, zoals bijvoorbeeld door afluistering of door diefstal. Er is geen hiërarchie voorzien tussen de verschillende bewijsmiddelen, althans voorziet de wet toch niet dat het ene bewijsmiddel meer bewijswaarde dan het andere zou hebben. Dus het is eigenlijk de rechter die zelf de bewijswaarde van de verschillende bewijsmiddelen beoordeelt. We zien wel in de praktijk dat aan een eenzijdig bewijs minder bewijswaarde wordt toegekend door een rechter dan bij een tegensprekend bewijs. Het is ook logisch, want bij een tegensprekend bewijs hebben partijen hun opmerkingen kunnen overmaken aan elkaar en aan bijvoorbeeld deskundigen. Ze hebben dus eigenlijk samengewerkt en alles wordt gebundeld in één verslag. Ook zien we in de praktijk dat de rechter de meeste bewijswaarde vaak toekent aan het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Niettemin staat partijen steeds vrij in het Belgisch bewijsrecht om tegen het ene bewijsmiddel een ander bewijsmiddel aan te voeren. Een voorbeeld is er misschien op zijn plaats. Stel nu dat een product op de markt wordt gebracht dat schade berokkent aan consument of aan onderneming. Die producent van het product wordt gedagvaard voor de Belgische rechtbanken en er wordt een gerechtelijk deskundigenonderzoek bevolen. Uit dit gerechtelijk deskundigenonderzoek blijkt dat het product eigenlijk niet gebrekkig was, maar dat het gewoon verkeerd is gebruikt. Op basis van het verslag van de rechtsdeskunde zou men dus kunnen besluiten dat de producent niet aansprakelijk is. Nu vindt echter een van de schadelijdende partijen een wetenschappelijk artikel van een professor, stel nu uit Texas in de Verenigde Staten. Het is een professor die niemand kent, maar in zijn artikel stelt hij al zeer overtuigend dat het desbetreffende product wel degelijk schadelijk was, of dat er grondstoffen werden gebruikt die uitermate schadelijk zijn. De rechter kan nu eigenlijk perfect dat gerechtelijk deskundigenonderzoek opzij zetten en zijn oordeel vellen op basis van dat wetenschappelijk artikel. Op basis van dit artikel zou hij toch de producent aansprakelijk kunnen stellen. Dit is wat dus mogelijk is onder ons vrij bewijsrecht, maar zoals gezegd zal dit een uitzonderlijke situatie zijn, omdat er meer bewijswaarde vaak wordt toegekend aan gerechtelijk deskundigenonderzoek. Maar het is mogelijk. Als uitdrukking van het vrij bewijsrecht in België is er het principe dat het bewijs tegen ondernemingen met alle middelen van recht kan worden geleverd. Wat zijn nu die verschillende bewijsmiddelen? Ten eerste is er een van de basisbewijsmiddelen, zijn er het geschrift. Dat is eigenlijk alles wat op een papieren drager staat, ongeacht of het ondertekend is of niet. Het kunnen contracten of brieven zijn, maar de rechtspraak aanvaardt ook de laatste jaren dat e-mails en sms ook een geschrift uitmaken. Daarnaast hebben we de vermoedens. Niet een onderscheid te worden gemaakt tussen het wettelijk vermoeden en het feitelijk vermoeden. Een wettelijk vermoeden is eigenlijk een in de wet voorzien weerlegbaar vermoeden dat geldt tot bewijs, tot als het tegendeel wordt bewezen.
Een voorbeeld is het vermoeden van eigendom door natrekking, dus het vermoeden dat de zaken die op uw grond staan, dat dat uw eigendom is. Relevanter in de context van schadegeval en aansprakelijkheid zal het feitelijk vermoeden zijn. Dat is een vermoeden dat niet in de wet staat, maar wordt aangevoerd door een partij en waarover de rechter vrije beoordelingsvrijheid heeft. Bijvoorbeeld door e-mails met betrekking tot een minderlijke expertisevergadering of e-mails met betrekking tot een onderhoud dat heeft plaatsgevonden. Als die e-mails spreken over een bepaalde dag, plaats, uur, zou men op basis van die e-mails eigenlijk een vermoeden kunnen creëren dat die vergadering of dat onderhoud heeft plaatsgevonden. Dat is dus nut van een vermoeden. Er is geen rechtstreeks bewijs voorhanden, maar op basis van die e-mails heeft men wel onrechtstreeks bewijs kunnen leveren. Een ander bewijsmiddel is de bekentenis. Dat is een verklaring waarbij een partij de juistheid van een feit of het bestaan van een rechtshandeling bevestigt. Het kan een bekentenis zijn tijdens een procedure, dus een gerechtelijke bekentenis. Of het kan ook een buitengerechtelijke bekentenis zijn, als bijvoorbeeld een partij in een e-mail of in een brief het bestaan van een rechtshandeling of een feit herkent. Dat is dan een buitengerechtelijke bekentenis. Het Belgisch bewijsrecht kent ook de eed. Het is een plechtige verklaring waarbij de waarachtigheid van bijvoorbeeld een tekst wordt erkend. Maar wat de eed betreft gaan we hier niet verder op ingaan, omdat het een beetje in onbruik is geraakt in ons recht. U kan om bewijs te leveren ook verdere beroep doen op getuigen. Het kan een mondelinge getuigenverklaring zijn. Dat is een getuigenverklaring die wordt afgelegd tijdens een procedure. En het moet worden bevolen door de rechtbank. Maar u kan ook een schriftelijke getuigenverklaring laten opstellen. Hiervoor is geen bevel van de rechter nodig. De schriftelijke getuigenverklaring heeft als doel om de rechter inzicht te doen verschaffen in betwiste feiten waar die getuige persoonlijk weet van heeft. Het moet dus wel gaan om betwiste feiten. Een voorbeeld is dat, stel nu een gebouw in brand is gevlogen onder vreemde omstandigheden en dat is betwisting over de oorzaak van de brand. Er is stel nu een buurman die gedurende jaren heeft gezien dat de eigenaar van dat gebouw veel brandbaar materiaal heeft opgeslagen en dat hij steeds zeer onvoorzichtig omgaat met vuur of met sigaretten. We zouden dan die buurman kunnen laten getuigen waarin hij deze elementen verklaart, maar zonder dat er eigenlijk een rechtstreeks bewijs voorhanden is van die feiten. Het bewijs wordt dus op een onrechtstreekse manier geleverd. Stel nu in het kader van een dekkingsgeschil onder een brandpolis, zou deze situatie zich kunnen voordoen. Ten aanzien van ondernemingen hebben we dan nog twee specifieke bewijsmiddelen, zijn de boekhouding en de facturen. Boekhouding kan als bewijs dienen in de volgende zin. We zullen weer met een voorbeeld werken. Stel nu dat er een verkeersongeval is gebeurd en de slachtoffers van het verkeersongeval hebben een winkel en zijn arbeidsongeschikt geworden. De slachtoffers vorderen nu van de verzekerde een schadevergoeding ten behoeve van de kosten die zij hebben moeten maken voor het vervangend personeel. Het personeel dat dus in de winkel dient te staan. Uit de boekhouding van die winkel, van die onderneming, blijkt nu echter dat die kosten voor het vervangend personeel nooit zijn gemaakt. Ze maken dus ook geen schade uit in hoofde van die onderneming. Op basis van die boekhouding kan men dus het bewijs leveren dat die kosten niet zijn gemaakt, dat er geen schade is en dat verzekerde dus eigenlijk niet aansprakelijk is. De voorwaarde is wel dat het moet gaan om een volledige boekhouding en dat de boekhouding regelmatig moet zijn gevoerd. Dan hebben we de factuur. De factuur kan als bewijs dienen van de onderliggende handeling, bijvoorbeeld als bewijs van een overeenkomst, van de omvang van de werken of van de prijs. Stel nu. Het moet wel steeds gaan om een aanvaarde factuur. Niet elke factuur kan dus als bewijs dienen. Dit is eigenlijk een kort overzicht van de verschillende bewijsmiddelen in ons recht. Ter herhaling is hier geen hiërarchie tussen en het is de rechter die de bewijsvoorwaarde van die bewijsmiddelen zal beoordelen. Dan komen we bij ons laatste deel in verband met het nieuw bewijsrecht. Op 1 november 2020 is boek 8 van het nieuw burgerlijk wetboek in werking getreden. Het is belangrijk om op te merken dat dit boek 8 reeds van toepassing is op lopende procedures. Je kan dus, als er nu een procedure lopen is, steeds reeds beroep doen op een nieuw bewijsrecht. De essentie van het nieuw bewijsrecht is eigenlijk dat er een evolutie is gebeurd van het bestaande recht, zonder dat er ingrijpende wijzigingen van de essenties van het bestaande recht zijn gebeurd. Het is eigenlijk meer een evolutie dan een revolutie. Enerzijds is er de codificatie van de bestaande beginselen uit de rechtsleer en de rechtspraak. En anderzijds is er een modernisering van de wet door aanpassing en technologische ontwikkeling. Men mag namelijk niet vergeten dat vele bepalingen
uit het burgerlijk wetboek afkomstig zijn van in de tijd van Napoleon. Ons wetboek dateert eigenlijk van 1804 en dat vele bepalingen sindsdien amper zijn gewijzigd. Een vernieuwing van ons Belgisch recht en ons Belgisch bewijsrecht is er zeker wel gekomen. Wat zijn nu de essenties van het nieuwe bewijsrecht? Het uitgangspunt blijft hetzelfde als onder het oude recht. Het bewijs kan met alle middelen van recht worden geleverd. Tenzij dat de wet anders bepaalt. De wet bepaalt bijvoorbeeld anders in de context van consumenten en B2C, waarbij er een gereglementeerd bewijsstelsel geldt. Wederom, in het tweede webinar op 23 maart zal er meer over worden verteld. Wat zijn nu de voornaamste wijzigingen van het nieuwe bewijsrecht? Ten eerste is de definitie van het geschrift gewijzigd. Het wordt nu gedefinieerd als een geheel van alfabetische of verstaanbare tekens. Er dienen daarbij drie voorwaarden te worden voldaan. Er moet een begrijpelijkheid zijn en begrijpelijk inhoud. Er moet een duurzaamheid zijn, wat betekent dat het document, het geschrift gedurende een bepaalde periode, moet kunnen worden geraadpleegd. En er moet een integriteit zijn, wat betekent dat het geschrift niet zomaar kan worden gewijzigd. De wet bevestigt met deze definitie dus de reeds lang toegepaste rechtspraak dat een geschrift niet langer een papieren document is, maar ook e-mails, sms'en, WhatsApp en zo verder kunnen zijn. Ten tweede is er de codificatie van het bewijsrisico. Het bewijsrisico houdt in dat in geval van twijfel, hij die een beweerde rechtshandeling of feit moet bewijzen, in het ongelijk zal worden gesteld. Het is eigenlijk een bevestiging van wat reeds lang wordt aangenomen in ons recht en is eigenlijk een toepassing van het principe you're innocent until proven guilty. Zolang uw aansprakelijkheid of de fout niet wordt bewezen, zolang er twijfel over bestaat, zal men niet worden veroordeeld. Dit wordt nu ook zo met zoveel woorden in de wet gezegd. Ten derde hebben we de codificatie van het begrip van de bewijsstandaard. De bewijsstandaard is de mate waarin de rechter van een bepaald feit overtuigd moet zijn, opdat hij dit als bewezen kan beschouwen. Vroeger was er in de rechtsleer en rechtspraak discussie over wat er sprake moest zijn van een absolute zekerheid, dan wel van een hoge graad van waarschijnlijkheid. Die discussie is nu afgesloten met het nieuw burgerlijk wetboek. Het nieuw burgerlijk wetboek bepaalt nu dat het bewijs moet worden geleverd met een redelijke mate van zekerheid. Het is een belangrijke bepaling die aan de basis zal liggen van de Belgische, van het bewijsvoering in het Belgisch recht. Zoals u ziet, is het dus ook nog steeds niet vereist dat men bewijs levert met 100% zekerheid. Een uitzondering op dit principe is het negatief bewijs. Zoals we eerder hebben gezegd, oordeelde de rechtspraak en rechtsleer dat het voldoende is dat men bewijst dat het negatief feit waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. Dus dat de informatie bijvoorbeeld waarschijnlijk niet is aangeleverd. Dit wordt nu ook gecodificeerd in het nieuwe burgerlijk wetboek. We hebben ook nog de plicht tot bewijsmedewerking. Dit was reeds een algemeen rechtsbeginsel in het Belgisch recht, maar is nu ook uitdrukkelijk opgenomen in het Belgisch, in het nieuw burgerlijk wetboek. De bewijsmedewerking houdt eigenlijk in dat een partij zich niet kan verschuilen achter de bewijslastverdeling. De eiser moet in principe het bewijs geven van de feiten of rechtshandelingen die hij aanvoert. Maar op basis van het principe van de bewijsmedewerking kan een verweerder niet zomaar achteruitleunen en relaxen, bij wijze van spreken, en wachten tot de eiser in het ongelijk wordt gesteld. De verweerder moet ook meewerken en hij moet trachten te bewijzen dat de eiser zijn vordering ongegrond is. En hij moet ook de nuttige documenten aanleveren die de rechter nuttige inzichten kunnen doen verschaffen in de zaak. Met andere woorden, en simpel gezegd, moet ook een verweerder die niet per se de bewijslast heeft, actief meewerken aan de bewijsvoering. Dit principe is nu ook vastgelegd in de wet. Dan komen we bij ons laatste punt, dus de omkering van bewijslast. We hebben reeds gezien dat de wet in zeer uitzonderlijke gevallen voorzag, en nog eigenlijk steeds voorziet, in de mogelijkheid van omkering van bewijslast. Nu bepaalt het nieuw burgerlijk wetboek eigenlijk dat de rechter de mogelijkheid heeft om, indien hij het motiveert en indien er uitzonderlijke omstandigheden zijn, om zelf te bepalen wie de bewijslast draagt. Hij zal dit doen indien de toepassing van de normale, van de basisprincipes in zaken de bewijslast, indien die principes tot een kennelijk onredelijk resultaat zouden leiden. De voorwaarde is wel om de omkering van de bewijslast te bevelen, dat alle onderzoeksmaatregelen worden bevolen, bijvoorbeeld ook de verplichte overlegging van stukken, en dat de rechter toch heeft toegezien op de plicht tot bewijsmedewerking.
Met andere woorden, is de omkering van bewijslast een ultimum remedium, een laatste redmiddel voor de rechter. Zoals we gezegd hebben, is het doel van deze bepaling van de mogelijkheid tot omkering van bewijslast om onbillijke gevolgen te vermijden. Voorbeelden zijn waarbij een partij bijvoorbeeld manifest niet meewerkt aan de bewijsvoering of bewijs is vergaan door stelbrand. Een ander voorbeeld waarbij de omkering van bewijslast kan worden bevorderd, is wanneer een aanzienlijk onevenwicht is in de bewijsgeschiktheid. Stel nu dat een persoon het slachtoffer is van een operatie en de dokter zou fout hebben gemaakt. Men kan dan niet verwachten dat de gewone persoon bewijs levert dat die dokter medische fout heeft gemaakt. Die persoon kent de medische procedure niet, heeft geen geneeskundige scholing genoten enzovoort. In zo'n situatie zou de rechter bijvoorbeeld omkering van de bewijslast kunnen bevelen en de bewijslast op de dokter leggen om te bewijzen dat hij geen fout heeft gemaakt. Dit is het laatste punt wat betreft het nieuwe bewijsrecht en dit sluit ook het hoofdstuk van het bewijs van rechtsfeiten en rechtshandelingen af. Dank u alvast voor uw aandacht en ik geef zodra het woord aan Hugo Keulers die het tweede grote deel van het webinar zal bespreken. Komen we nu eerst bij onze eerste polvraag. De vraag leidt als volgt. Wanneer mag de omkering van de bewijslast worden bevolen? Mag dit altijd? Mag dit zolang de rechter maar motiveert waarom hij de omkering van bewijslast beveelt? Of mag dit enkel gebruikt worden als ultieme remedie? De polvraag is nu open. De resultaten zijn binnen. We zullen die even projecteren op het scherm. 6% zegt altijd, 9% zegt zolang de rechter maar motiveert waarom. En 66%, dus toch wel de meerderheid, heeft het aan het juiste eind. Dit klopt, de omkering van de bewijslast mag enkel maar als ultieme remedie worden gebruikt. Dan geef ik nu het woord aan mijn collega Hugo Keulers, die de rest van het webinar in het Frans zal geven. Dank u wel voor je aandacht. Mesdames et messieurs, après l'exposé de Jonathan, j'ai le plaisir et l'honneur de continuer avec la preuve de la responsabilité technique où je vais plutôt me focaliser sur l'expertise d'une part et d'autres manières à livrer une preuve, comme par exemple la tierce décision obligatoire d'autre part. Quelles sont les distinctions, quels sont les avantages et les inconvénients d'un système par rapport à un autre système. Tout d'abord, quand on parle de l'expertise, la première étape dans le cadre d'une expertise constitue presque toujours, dans des sinistres assurantiels, une expertise unilatérale qui sera conduite par l'expert désigné par la compagnie d'assurance qui va venir sur site, sur les lieux, très vite. Son intervention adopte plutôt la forme d'une descente sur les lieux qui est rapide, qui est plutôt simple et qui ne contient pas déjà une analyse en profondeur des éléments factuels qui sont pertinents pour un sinistre. En tout cas, c'est une expertise ou une constatation qui a lieu à ce moment d'une manière non contradictoire, mais unilatérale, et sa valeur de preuve sera donc quelque part limitée. Elle sera d'autant plus limitée car elle est conduite par un expert désigné par une compagnie d'assurance et on ne sait pas à ce moment-là s'il y aura à la fin du jour un conflit d'intérêts, oui ou non, entre la compagnie d'assurance et l'assuré ou entre la compagnie d'assurance et un tiers. C'est pour ça qu'on conseille quand même que quand il y a des constatations qui doivent être faites importantes immédiatement après un sinistre, que idéalement, l'expert de la compagnie sera assisté par un huissier de justice qui va, comme fonctionnaire, rédiger et dresser un procès-verbal de constat avec des photos en annexe et la valeur de la preuve de ce PV de constat sera plus grande que l'expertise unilatérale qui est conduite par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance. Si on tourne vers les preuves contradictoires, par contre, on va distinguer entre deux grands groupes. On a le groupe des expertises où on fait distinction entre l'expertise à l'amiable et l'expertise judiciaire, d'une part, et d'autre part, la tierce décision obligatoire et éventuellement aussi
l'arbitre. La grande différence entre ces deux groupes-là, c'est qu'en cas d'expertise, on obtient seulement d'un expert un rapport final qui est un avis pour un tribunal, qui n'est donc pas obligatoire d'être suivi par le tribunal ou par les parties, ce que l'expert a considéré comme étant la cause d'un sinistre ou l'étendue d'un dommage. Tout d'abord, il y a l'expertise amiable qui est souvent promue par les experts. Ça fait partie d'une solution négociée entre les parties qui, idéalement, pourrait mener à une transaction entre les parties pour résoudre le litige entre eux. Et ça peut adopter ou ça peut prendre deux différentes formes. Soit les experts des deux parties peuvent convenir entre eux sur les éléments pertinents d'un litige, ce qui va résulter très souvent dans un procès verbal signé par les experts qui a la forme ou la force juridique d'un contrat entre les parties, pour autant que les experts étaient bel et bien mandatés à négocier un accord. Ça, c'est une formule. L'autre formule est la formule où les deux parties, assistées par leurs experts, éventuellement aussi des avocats, vont désigner un expert tiers. L'expert tiers ne sera donc pas nommé ou désigné par un tribunal, mais sera désigné en commun accord par les parties. Et donc, les parties vont convenir la mission qui sera confiée à cet expert. Et plus que probablement, ce qu'on voit dans la pratique, c'est ce qu'on appelle la mission traditionnelle ou la mission classique, où on demande à un expert amiable de déterminer là où les causes d'un sinistre, là où les responsabilités techniques et leur répartition entre les différentes parties responsables et l'étendue des dommages. Pour formaliser cet accord, un protocole sera conclu entre les différentes parties. Il faut bien réfléchir quand on va rédiger le protocole, parce que très souvent, on utilise des template documents mais qui ne couvre pas tous les points d'un litige. Il ne faut pas seulement déterminer et identifier l'identité de l'expert qui sera nommé, qui va prendre à charge les frais et honoraires, d'une manière de préfinancement d'une part ou de prendre ça à charge définitivement, quelle sera la valeur du rapport de cet expert à l'amiable. Ça peut être déterminé et ça devrait être déterminé dans la protocole, mais également, on devrait se poser la question, est-ce qu'il y a des informations confidentielles que les parties devront partager avec l'expert à l'amiable et avec l'autre partie dans le cadre du principe contradictoire, parce que ça se situe ici dans le cadre ou dans un contexte contradictoire, et comment on va protéger l'information confidentielle. Soit on a une convention, et négocier une convention, ça prend du temps. Ce qui pourrait être, quand on est confronté à un sinistre avec plusieurs parties qui doivent être impliquées dans une expertise, un inconvénient ou un désavantage de la formule de l'expertise amiable. Les avantages de l'expertise amiable, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre le système de dépenses et de provisions par consignation qui est imposé par le code judiciaire dans le cas d'une expertise judiciaire, mais on peut le prévoir contractuellement. En pratique, on ne fait pas parce que ce système de consignation, ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'experts judiciaires qui se plaignent, il y a beaucoup de formalités, ça cause des formalités administratives que la partie n'aime pas tellement dans le cadre d'une expertise qui doit être vide. La question est-ce que le travail qui doit être conduit par un expert à l'amiable sera plus rapide, plus vite qu'un expert judiciaire. Et là, personnellement, j'ai mes doutes parce que la plupart des cas, les personnes qui sont désignées comme experts à l'amiable sont des experts judiciaires, des personnes qui autrement sont désignées par des tribunaux comme experts judiciaires. On va prévoir dans le protocole qu'ils sont obligés à suivre les dispositions du code judiciaire et aussi sur le plan du contenu, pour que le rapport définitif aura également de la crédibilité devant les juges ou les arbitres qui doivent éventuellement trancher, ils sont obligés à suivre une méthodologie et un processus où ils devront impliquer éventuellement des laboratoires, d'autres sapiteurs pour arriver à des conclusions.
Les inconvénients d'une expertise amiable sont là également. Tout d'abord, il s'agit d'un contrat, un protocole à la base. Un protocole qui doit être négocié, qui doit être échangé entre les parties et ça prend du temps. Et souvent, plus de temps que de devoir mener une procédure en référé pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire par le tribunal. Deuxièmement, et ça c'est identique pour une expertise judiciaire, on dispose à la fin du jour d'un rapport qui est non contraignant vis-à-vis du tribunal, mais qui a la valeur d'un avis, la valeur d'une présomption, comme a dit Jonathan, mais une présomption très forte. Ça, il faut avouer, mais ce n'est pas contraignant. Il est donc possible qu'une autre partie va arriver avec ce fameux rapport d'un professeur de Texas pour contredire les conclusions de l'expert amiable. Et finalement, et ça c'est peut-être un des plus grands inconvénients de l'expertise à l'amiable, on ne peut pas avoir une intervention du tribunal quand les choses vont mal, dans le sens que l'article 973 Code judiciaire prévoit pour les expertises judiciaires. Si un expert judiciaire, par exemple, ne remplit pas sa mission, qu'il agit très tardivement, il est possible de demander au tribunal, sur base d'une requête qu'on va déposer auprès du tribunal, d'intervenir et d'ordonner à l'expert judiciaire d'avancer ou de suivre une certaine procédure de méthodologie ou de suivre une certaine méthode pour protéger des informations confidentielles. Tout ça, c'est prévu dans le code judiciaire. Ça peut aller très vite, mais ce n'est pas prévu dans le cadre d'une expertise amiable. Tournons maintenant vers l'expertise judiciaire, je pense très bien connue par la plupart des gens dans le public, dans l'audience, qui est bien régie dans le code judiciaire et qui peut être ordonnée soit après une procédure en référé quand il y a une urgence ou dans le cadre d'une procédure au fond, tant dans la qualité d'une mesure avant de dire droit. Quelles sont les conditions que le tribunal devra vérifier avant que le tribunal va effectivement nommer un expert judiciaire? Le tribunal devra vérifier si elle a compétence internationale, par exemple dans des litiges internationaux, si votre défendeur est une société qui a son siège social en France ou en Allemagne. Il faut d'abord déterminer que le tribunal belge est bel et bien compétent sur base des dispositions du règlement de Bruxelles. Deuxièmement, il faut déterminer si l'action telle qu'elle est recevable. Il ne faut pas prouver à ce stade que l'action sera déjà fondée. Non, parce que vous avez besoin du rapport définitif de l'expert judiciaire pour pouvoir prouver que votre demande et votre action est bien fondée. Mais par exemple, quand vous êtes demanderesse, vous êtes acheteur dans le cadre d'un litige avec un vendeur concernant des vices cachés, il y a la disposition de l'article 1648 du Code civil qui exige que cette demande doit être intentée dans un bref délai. La condition du bref délai est une condition de recevabilité d'une demande qui doit donc être vérifiée par le tribunal avant qu'on va nommer effectivement un expert judiciaire. Ce que le tribunal doit également vérifier, c'est si le caractère subsidiaire est bien rempli. Ça veut dire que quand le tribunal estime qu'il y a déjà suffisamment de preuves qui sont disponibles pour livrer la preuve d'un certain fait qu'on souhaite prouver à travers l'expertise judiciaire, il est possible de contester la nécessité de devoir faire une expertise judiciaire parce qu'on dispose déjà de suffisamment de preuves disponibles et comme Jonathan vous a expliqué, il n'y a pas d'hiérarchie, tous les moyens de preuve sont permis, donc on peut compter sur beaucoup qu'on peut faire valoir dans le cadre d'une telle procédure. Et finalement, le tribunal doit déterminer s'il est toujours opportun de désigner un expert judiciaire. Imaginez-vous par exemple un bâtiment qui est détruit à cause d'un incendie mais qui est entièrement reconstruit. Il n'y a rien qui est resté. Alors, nommer un expert judiciaire pour aller déterminer ce qui a été la cause de l'incendie, ça sera plus opportun au moment qu'on demande au tribunal. La force probante, c'est la force probante d'un avis contradictoire qui, en pratique, 9 chances sur 10, sera suivi par un tribunal. Les règles de procédure sont bien prévues dans le code judiciaire.
Et ce qui est important, j'ai déjà insisté dans le cadre de mon exposé sur l'expertise amiable, c'est le contrôle exercé par le juge et le fait qu'on peut faire appel au tribunal, le juge qui a nommé l'expert, quand il y a effectivement des incidents dans le cadre du déroulement de l'expertise judiciaire, ce qui peut être un moyen efficace pour débloquer des situations d'impasse. On peut également faire récuser un expert judiciaire si on constate qu'il ne suit pas les règles de défense, qu'il ne montre pas l'impartialité qui est exigée d'un expert judiciaire. Finalement, le tribunal va également exercer une sorte de contrôle sur les frais et les honoraires réclamés par l'expert judiciaire s'il y a une dispute avec les parties. Et là, les trois points les plus importants dans le cadre de n'importe quelle expertise amiable ou expertise judiciaire qu'on peut verbaliser. Si nous, on reçoit une citation, un de nos clients est assigné et on demande la désignation d'un expert judiciaire, nous nous posons trois questions. D'abord, est-ce que la mission qui est proposée dans la citation nous convient? Est-ce qu'elle est suffisamment complète? Est-ce qu'elle va examiner effectivement tout ce qui est nécessaire tenant compte de la position tactique et stratégique de notre client, souvent défendeur, et son assureur RC? Deuxièmement, qui serait l'expert judiciaire idéal pour ce dossier, tenant compte du volet technique du litige, mais également tenant compte de la réputation de l'expert en matière de rapidité, efficacité, éventuellement sans qualité d'agir comme médiateur à la fin du processus pour convaincre les parties de signer une transaction, d'agir comme médiateur. Et troisièmement, troisième question très importante, est-ce que toutes les parties sont effectivement déjà impliquées dans le cadre de la procédure judiciaire? Parce que si on souhaite intenter un recours contre un parti tiers qui n'a pas été partie à l'expertise judiciaire, alors le rapport définitif n'aura pas un caractère contradictoire et donc n'aura pas la valeur de présomption vis-à-vis de cette partie si on agit trop tard, c'est-à-dire si on agit seulement après de la communication d'un rapport préliminaire. Les avantages sont très clairs. On dispose d'un rapport contradictoire qui a une grande valeur de preuve, mais qui n'est pas en principe contraignant ou obligatoire pour le tribunal. Le tribunal peut éventuellement prendre une autre position. Il y a la possibilité pour le tribunal d'intervenir dans le cadre d'une expertise judiciaire si les choses ne vont pas bien. Et il y a effectivement une sorte de manuel, le code judiciaire, avec une procédure qui règle beaucoup. Les inconvénients, on les connaît aussi. Il y a ce fameux système pour le paiement des honoraires des experts par voie de consignation auprès du greffe qui doit être libéré et souvent être encore ajouté par des montants complémentaires parce que le montant prévu à la base n'était pas suffisant. Deuxièmement, même si le rapport définitif a une grande valeur de preuve, toujours juridiquement parlé, elle n'est pas contraignante. Le rapport n'est pas contraignant. Troisièmement, est-ce que la qualité de l'expert est toujours garantie? Et ça devient, à mon sentiment, un des problèmes le plus grand et plus important les dernières années, la qualité des experts judiciaires, surtout pour des litiges avec une grande complexité technique, un grand enjeu financier, beaucoup de parties. J'ai connu des expertises judiciaires où il y avait 30 différentes parties avec presque 100 personnes dans la salle. Il faut être capable de gérer ça d'une manière organisationnelle également. Et à mon avis, il y a peu d'experts judiciaires qui sont capables de faire ça. Tournons maintenant vers une autre manière qui est très peu utilisée, je dois dire, mais qui peut avoir dans certains cas bien spécifiques son utilité et qui est souvent appelée en pratique par des experts comme arbitrage, mais qui juridiquement n'est pas arbitrage. C'est la formule ou la procédure de la tierce décision obligatoire. Ce qui est une formule qui a des grandes similarités avec une expertise amiable. Il y aura à la base également un accord entre parties qui sera formalisé dans un protocole pour désigner un tiers expert, mais cette fois-ci, ce tiers expert ne va pas rendre un simple avis. Non, il va tirer des conclusions sur des choses factuelles d'un litige entre parties, comme la cause d'un sinistre,
une responsabilité technique et quand il remplit bien sa mission, sa décision sera contraignante non seulement pour les parties, mais également pour le tribunal si une procédure se continue par après. Pourquoi ce n'est pas arbitrage? Parce qu'arbitrage, c'est une formule de dispute resolution qui va régler définitivement l'intégralité d'un litige. Des arbitres ont la compétence de condamner une partie à payer un montant à une autre partie. Ce n'est pas une compétence qu'un tiers expert a dans le cadre d'une tierce décision obligatoire. Et quand la sentence arbitrale ne serait pas respectée volontairement et spontanément par la partie condamnée, l'autre partie aura la possibilité, la faculté de se tourner vers le tribunal, de déposer une requête en exequatur et va disposer 2 semaines plus tard d'une ordonnance du tribunal qui va lui autoriser à faire appel à des huissiers de justice pour saisir les biens de la partie qui a été condamnée dans le cadre de l'arbitrage. La désignation d'un tiers qui va agir comme tiers expert et rendre une tierce décision obligatoire, ça se fait sous forme d'un contrat, donc les parties sont liées par le contrat, mais également le juge qui est lié. Si les choses tournent mal maintenant pour un parti, on obtient une décision avec laquelle on n'est pas d'accord. Quels sont encore les moyens dont cette partie dispose d'argumenter devant le juge? Il y a certains moyens, mais ils sont limités. On peut développer l'argument de dire que les conclusions auxquelles le tiers expert est arrivé et sa décision est manifestement déraisonnable. J'insiste sur le mot manifestement. Ça veut dire que ça ne peut pas être simplement déraisonnable. Non, ça doit vraiment être déraisonnable. Ça veut presque dire qu'il n'y a pas de sérieux dans cette décision. Deuxièmement, le tiers n'a pas été complet. Il n'a pas fait une décision sur tous les points dont on lui avait demandé de décider. Troisièmement, sa décision contient des erreurs matérielles significatives. Quatrièmement, très important, le tiers n'a pas respecté les droits de la défense d'une autre partie. Donc, le tiers sera obligé presque d'agir comme un expert judiciaire. Il doit respecter le contradictoire. Il doit inviter les parties à faire leur présentation, soumettre leurs pièces, à répondre à un projet de décision, de formuler des commentaires, des critiques et des remarques avant qu'il va soumettre sa version définitive de sa décision. Et finalement, comme moyen, le non-respect de la mission du tiers décideur ou de la procédure. Dans ce cas-là, il serait possible pour un tribunal commun, d'une manière bien motivée, de déclarer le caractère non obligatoire de la décision. Donc, en concret, le tribunal ne sera pas lié par la décision, ce qui pourrait mener à un impasse parce qu'à ce moment-là, on ne dispose probablement pas non plus d'une expertise amiable ou une expertise judiciaire pour livrer la preuve seulement des expertises unilatérales ou des rapports unilatérales dont la valeur de la preuve est assez limitée. Donc, il y a des avantages. On dispose dans ce cas-là, en principe, d'un rapport contradictoire qui est contraignant et il y a des mécanismes de protection qui sont disponibles si le tiers ne respecte pas ses obligations contractuelles. On n'est pas tenu non plus par les dispositions en matière de provisionner, de consigner les honoraires de l'expert, de tiers expert, mais il y a des inconvénients également, des inconvénients quand il existe des contestations sur le contenu du contrat. Il peut y avoir un débat entre les parties et donc la décision obligatoire du tiers expert ne va pas mener concrètement à une transaction entre les deux parties. Il n'y a pas non plus une intervention du tribunal car le tiers n'a pas été désigné par un tribunal et donc très souvent quand il n'y a pas une transaction ou un règlement après la décision du tiers, il y aura toujours la nécessité de soit une procédure, soit un arbitrage sur base de ce qui a été prévu contractuellement pour les litiges au fond entre les deux parties. Le mot est tombé, l'arbitrage. Donc, j'ai essayé d'expliquer que la tierce décision obligatoire ne constitue pas un arbitrage. Arbitrage est un
moyen de résoudre des procédures qui peuvent être au mieux comparées avec le système des cours et des tribunaux. Il y a des arbitrages ad hoc, ce qu'on trouve souvent dans des polices d'assurance risques industriels, ou des arbitrages institutionnels, type ITC, International Chamber of Commerce, ou du type CEPALI en Belgique. Et les arbitres vont donc trancher d'une manière définitive les responsabilités non seulement techniques, mais également juridiques, et condamner une partie à payer quelque chose ou éventuellement résoudre une convention ou déclarer un contrat nul. Et donc, on arrive de nouveau à une deuxième question de Paul, qui est maintenant un peu différent. Et la question est comme suit. Quel système est-ce que vous préférez concrètement pour le règlement de sinistre? Il y a quatre possibilités. L'expertise amiable, B, l'expertise judiciaire, C, la tierce décision obligatoire, ou D, finalement, l'arbitrage. Le pôle va s'ouvrir maintenant. Voilà, donc c'est très intéressant également pour moi. Je vais partager avec vous le résultat du pôle. Il y a 57 personnes qui préfèrent l'expertise amiable. Vous le voyez maintenant également sur l'écran. Et donc, une grande majorité, malgré les inconvénients, ça démontre, je pense encore une fois, le fait qu'on cherche des moyens de solution qui sont le moins formels possible. Et donc, pas l'intervention d'un tribunal, malgré le fait que ça pourrait avoir son efficacité, si le tribunal fonctionne en tout cas bien. On donne beaucoup de confiance aux experts à trouver la bonne solution. 17% favorisent la solution d'une expertise judiciaire. Seulement 12% la tierce décision obligatoire, ce qui correspond avec la réalité des choses, parce que c'est une formule qui est... Pas souvent utilisé, mais qui peut avoir sa pertinence, qui ne peut pas être complètement ignoré ou oublié. Et finalement, il y a 13% qui favorisent l'arbitrage. Donc, merci de votre participation. Ça a été très utile. Quelques remarques finales de ma part. Mesdames, messieurs, il faut toujours donner et faire attention aux éléments spécifiques de chaque dossier. Il ne peut pas y être cas d'automatisme de dire on va immédiatement vers le tribunal, on va faire ça. Non, il faut bien réfléchir quelle est la situation avec laquelle elle est confrontée. Est-ce qu'on dispose toujours des moyens de preuve qui sont présents? Est-ce que ces moyens de preuve sont accessibles? Est-ce que ces moyens de preuve ne se situent pas quelque part en Afrique, par exemple, où il est, dans les circonstances actuelles du COVID, presque impossible pour attendre un expert judiciaire ou n'importe quel expert d'y aller pour effectivement examiner la valeur de la preuve. Deuxièmement, une importance de constituer un dossier et de rassembler la preuve. Avec les nouvelles règles en matière du droit de la preuve, je m'attends à plus de débats dans le cadre des procédures judiciaires sur l'aspect quelle est la valeur de la preuve qu'on soumet au tribunal. Il faut constater que dans l'actualité, avant, il y avait très peu de débats là-dessus. Je m'attends à plus de débats là-dessus pour le futur. Le pôle et la deuxième question l'ont bien encore une fois démontré. Il existe une préférence dans le marché que tout le monde doit bien tenir compte et respecter pour le règlement amiable des litiges. Mais comme vous savez également, on peut que trouver un règlement amiable quand des minimums d'informations sont présents et des minimums de preuves ont été livrés par les deux parties. Et finalement, what's in the name, je vous ai montré que ce qu'on appelle souvent l'arbitrage, en réalité, n'est pas un arbitrage dans le sens juridique du mot, mais plutôt une tierce décision obligatoire. Voilà, les questions peuvent être posées par le chat, pour autant qu'il s'agit des questions sur notre présentation d'une ordre général, on va vous répondre par email. J'insiste encore une fois sur les dates des deux suivants webinaires dans notre series Bewijs en Verzekeringen. Deuxièmement, le 23 mars 2021, donc dans un mois, la preuve du contrat d'assurance. Et là, on va voir comment est-ce que les nouvelles règles peuvent avoir une incidence sur la livraison de la preuve du
compte tenu du contrat d'assurance, les avenants, les clauses de d'exclusion, les clauses de déchéance. Et finalement, notre dernier webinaire se tiendra le 27 avril 2021. Il va parler du droit de la preuve et les assurances dans un contexte qui est plutôt international. Et comme je vous ai promis, on va faire appel à des amis qu'on a dans des cabinets à l'étranger. On va essayer d'avoir des représentants du système de Pays-Bas et de la France au moins pour venir nous parler avec les différences qu'on peut être confronté si on a des litiges et des sinistres à traiter là-bas. Dat brengt ons bij het einde van dit webinar. Ik houd er nogmaals aan u te bedanken samen met Jonathan voor uw aanwezigheid. Ik hoop u allemaal in goede gezondheid zo snel mogelijk terug te kunnen ontmoeten, zodat we een live client seminar in de allerbeste Lydian traditie kunnen houden en daar ook hopelijk een glas met elkaar op kunnen drinken. Dank u wel en nog een fijne dag.